Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit gameplay sur la PPSH. Alors, c'est pas le gameplay qu'on voit là maintenant en fond d'écran, ça c'est juste pour patienter. J'ai trois choses à dire sur ce gameplay. La première, c'est que, donc du coup, c'est un résurgence en trio sur la map Rainbow Island. Et j'ai joué avec des joueurs random, et en fait, on n'était que deux. Donc, ça s'est transformé en duo versus trio. La deuxième chose, c'est qu'on a fait 20 kills à nous deux, avec un petit top 1. Et la troisième chose, c'est que c'était une fille, et c'est assez rare pour le souligner. Donc, je vous montre la classe PPSH. Elle est assez simple, c'est à peu près la même classe que pour beaucoup d'autres SMG. Je trouve qu'elle est assez mobile, la PPSH, et franchement, elle fait plutôt mal au corps à corps, et même jusqu'à mi-distance. Alors, jusqu'à une distance certainement raisonnable, 25-30 mètres, mais elle peut vraiment faire mal à l'ennemi. Donc, j'utilise le silencieux sonore, bah, tout simplement pour la vitesse de visée, le caractère silencieux, et parce que maintenant ça augmente la vitesse des balles et la cadence de tir améliorée en sprint, du coup. Le dernier canon pour apporter des dégâts à la vitesse des balles et la vitesse de déplacement latéral. Le projecteur équipe Tiger, parce qu'en fait c'est un peu l'équivalent du laser 5 mW sur Modern Warfare. Ça augmente en fait, enfin je trouve que ça permet d'augmenter la transition entre le sprint et le tir. Eux ils disent que ça augmente la vitesse de déplacement et la vitesse de marche en visant, ce qui est probablement vrai aussi. J'utilise également la dernière crosse, la Cross Rider, pour tout ce qui est vitesse de déplacement, vitesse de marche en visant et le temps de transition du sprint au tir. Et le chargeur tambour 55 cartouches, en fait le tout premier. Pour moi, il n'y a pas besoin d'utiliser autre chose. C'est vrai que parfois il faut faire attention parce que vous pouvez éliminer deux ennemis, mais trois ça va être compliqué. Donc faut bien gérer vos fights. Donc voilà, profitez bien du gameplay. Ciao tout le monde! Grenade paralysante envoyée. Tout le monde est dans la zone de sécurité. Cible en vue. Grenade paralysante envoyée. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Visuel, grenade paralysante envoyée. Vous êtes pourchassé par une équipe ennemie. Ouvrez l'œil. Je suis là. Relève-toi. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Je subis des tirs. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Plus de 10, vous y êtes presque.
roule pas. Déplacement de la zone de sécurité. Good game, guys. GG.